Bonjour, c'est d'ici au Parlement européen qu'est partie l'impulsion pour un grand plan de relance. Et si nous avons besoin d'un plan de relance, c'est parce que nous avons été percutés par une violente crise mondiale alors que nous étions dans une dynamique comme partout, en Outre-mer aussi. Le Covid tue des humains, mais il tue aussi des entreprises, des PME, et il risque également d'éteindre la flamme de l'initiative et de l'innovation. Nous sommes les héritiers de cette énergie de résilience de nos anciens et nous devons impérativement la transmettre. Alors, notre combat aujourd'hui, c'est de réussir à mobiliser nos ressources, de les faire reconnaître, de les imposer s'il faut, pour dire à l'Europe, à nos voisins et au monde entier que les Outre-mer sont des territoires de solutions. Face aux défis climatiques, nos positions géographiques exposées nous donnent aussi la légitimité pour être les moteurs de la recherche. Nos jeunes ont du talent, nos territoires sont des trésors de biodiversité. Il faut miser sur nous pour construire la passerelle entre économie et écologie en faisant émerger, par exemple, de nouveaux métiers en lien avec l'environnement. C'est exactement cela l'enjeu du plan de relance. Nous sommes ultramarins, mais nous sommes aussi ultramalins. Et c'est ensemble que nous allons réussir.